Bonjour internaute de NetProf. Aujourd'hui, nous allons voir comment tester la limite de sa bande passante, ou plus communément appelée débit. Alors, pour ce faire, nous allons directement sur la barre de recherche, barre d'adresse, si vous, pardon, et on va faire speedtest.net. On clique sur Enter et on arrive directement sur le site. Alors, nous avons ici une carte. Et en fait, speedtest, il nous localise géographiquement et nous propose directement le serveur le plus proche. Donc les données sont plus véridiques car il y a moins de distance pour échanger les informations. Alors, de préférence, cliquez sur l'étoile. Ici, moi c'est Montréal, Québec. Vous avez ici un petit afficheur là. On attend un peu. Ici, le testing download, c'est-à-dire le téléchargement, et l'upload, c'est-à-dire vous envoyer un fichier, par exemple par mail, la vitesse. Voilà. Ah, c'est pas mal. Donc, voilà. Ici, on arrive avec un bilan. On a l'heure, la date et on a download et upload. C'est très clair. Alors, votre file, ici moi c'est Vidéotron. Serveur, j'ai choisi Montréal. Et ping, vous voyez ici ping, c'est votre distance entre le serveur et votre maison. Alors, moyen de ping, mieux c'est. Ici, en download, j'ai 31,64 mégas. Ça s'arrondit à 32, donc 32 mégas par seconde. Télécharge et un upload de 2,10 mégas par seconde. Ici, vous avez une estimation lorsque je télécharge par exemple un fichier MP3, ça prend 2 secondes. Un vidéoclip de 35 mégas, ça prend 9 secondes. Un film, je le télécharge en 3 minutes. Vous avez ici your result, c'est-à-dire votre résultat, et ISP average, c'est-à-dire la moyenne des internautes sur le monde entier. Vous pouvez copier sur un forum pour montrer aux autres votre débit, mais je vous conseille en fait de rien faire et voilà, vous avez un petit bilan bien fait. Si vous voulez tester avec un nouveau serveur, on clique ici. Si vous voulez retester votre bande passante, on reclique ici. Donc voilà, merci et à bientôt.